Hey, cette vidéo est un extrait de live diffusé sur Twitch. On est en live tous les soirs à partir de 21h, alors pas se faire un coucou. A plus! Ce jeu était badass. Alors, messieurs, dames, je pense que du coup, on va se partir en partie privée. Il y a moyen qu'on se fasse peut-être un... je sais pas, on se fait un 2v2. Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met 5 joueurs, 3 équipes, et puis on reste en deathmatch, comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Et je vais voir quel civil je vais reprendre. Oh, c'est trop de souvenirs, gros. C'est trop de souvenirs, ça me fait tellement plaisir de rejouer à ce jeu, no joke. C'est absolument incroyable. Alors, donc player, donc KLM normal. La tribu. Je vais prendre la tribu des hommes du nord. Je me mets en rouge, comme d'habitude. Team 1. Donc, à chaque fois, de toute façon, on va se foutre clear. Donc, en fait, pour ceux qui connaissent pas Parawall, le principe de Parawall, c'est un petit peu. Ça ressemble beaucoup à Age of Empire, en fait. C'est vraiment le même principe, c'est un STR. Sauf que, en fait, on est autant des dinos, en fait. Alors, je vais juste... Ok. Alors, donc, lui, je vais aller en envoyer un middle ici. J'en envoyais un par là. Vous allez aller au bois. Vous, à la... là. Est-ce qu'il fait... Ah oui, c'est vrai qu'il fallait aussi que j'en envoie à la chasse. On va faire en même temps 2-3 ouvriers. Ça ressemble beaucoup à Edge, hein, dans la façon de faire, donc... J'en ai déjà un pour ça. Alors, on va faire un baraquement, une caserne. Ouais. Est-ce qu'on pouvait pas les tourner? Ah si, on pouvait tourner ça, ok. T'as regardé, il y a un petit. Il y a un petit, là, juste là, il est trop cool. Ah, il est trop classe. Ah, oh, j'aime bien. J'aime bien comme c'est fait. Vraiment, c'est plutôt sympa. Donc là, ici, ils sont tous occupés. C'est impeccable. Je pense que je vais faire 2-3 peut-être, 2-3 tentes peut-être juste à côté. Pour ça, je sais plus ce que c'est. Ah, ça, c'est un port, ça. Ok, donc non, ça, c'est pas ça. Small Dino Farm. Ah, ok, donc ça, c'est pour faire, du coup, bah, à l'avenir, du coup, des dinos. Donc ça, bah, en soi ça marche. Et après du coup, on va pouvoir un peu les améliorer. Bah écoute, j'ai quand même peut-être faire un coup import quand même. Après, et donc là dans la ferme à Dino, je vais pouvoir faire à la fois du coup des trucs de centre mobile, les petits dinos là pour pouvoir explorer, et puis une sorte de héros. Donc là avec mon dino, je vais l'envoyer à l'autre bout de la carte un petit peu voir vite fait ce qu'il y a. Donc ça, comme ça, impeccable. Ensuite, là, on va pouvoir du coup passer à l'âge 2. Ok, on est passé à l'âge 2. Impeccable. Donc là-dedans, je vais pouvoir entraîner du coup là des guerriers. Impeccable. Donc ça, après, de toute façon, après là-dedans, j'ai plus de bouffe. Du moins ailleurs que ça. On va améliorer là pour le coup notre ferme. Est-ce que je peux construire une sorte de tour? Ouais, c'est ça, ouais. Je peux construire. Hop, putain. Ici déjà, mon pote, on va fermer et puis en même temps, on va faire. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah, il me faut 42 pierres. Ah, donc là, c'est impeccable. On peut déjà commencer à faire nos bestioles. Ça, est-ce que je peux...
Ouais, ça pour améliorer nos ressources, ça peut être vraiment pas trop mal. Alors. Après, j'ai demandé à refaire un peu plus de gugus que ça, parce que là, c'est vrai que là, on est vraiment light. Sauf que là, malheureusement, je peux pas faire grand chose. Faudrait que j'attende. Faudrait vite que je passe l'âge suivant pour pouvoir faire mes titans. Je sais pas à quel niveau est l'IA en face. Ah, j'ai privilégié le passage à l'âge 3 là. Là, on va privilégier vite le passage à l'âge 3. J'attends juste que eux aient le bois nécessaire. C'est bon. Super. 300 de bois, comme ça on peut se faire une deuxième tour là dans le coin qui est plus difficile d'accès pour le coup. Et là, on vient de passer à l'âge suivant. On va pouvoir se faire une grosse ferme. On a un weapon builder carrément. Ouais. Alors, une grosse ferme aux dinosaures, on va pouvoir se faire ça là dans le coin. En fait, c'est avec ce genre de ferme là en fait qu'on va pouvoir se craft des titans. Et c'est vraiment insane. C'est trop bien. Là, on va améliorer avec ça la capacité de stockage des de petits trucs là. Bon, ok. Lui, dès qu'il a terminé, on va lui demander s'il peut bien sûr d'en construire un autre. Ah, ça produit de la nourriture, c'est trop bien, je me souvenais plus du tout. Après, je vais voir après. Ok, alors, au moins comme ça, ceux qui de base là étaient à la bouffe, ça fait que là maintenant il y en a 4. Et puis ça produit de la nourriture. Donc là déjà comme ça, si tu veux, en fait, on est déjà plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ça peut-être. Ah oui, le truc de weapon, là, je voulais voir à quoi ça servait. Alors, on a le brachio, blablabla. Ok, on a 3 bazars. Là, il nous faut 60 en points de kill pour pouvoir passer à la suivante. 60 en points de kill. Et puis, il nous manque encore 1000 de bois. Je pense qu'on va peut-être essayer d'aller les passer le plus rapidement possible. J'ai même pas la place, man. Ça me fout le démon. Donc là je fais du coup un bazar et puis on va faire une taverne au moins juste à côté. Qu'est-ce qu'ils foutent? Bon bah là vous allez canner vous hein. Putain lui je le touche pas, c'est trop chiant. Donc ça c'est amélioré, ça c'est ok. Là-dedans, est-ce que j'ai encore autre chose à améliorer? Non, là pour le coup pas vraiment. Ah oui, les chamans, ça c'est vraiment très fort. Du coup je vais me faire un chaman et puis après je vais juste essayer de me remémorer un peu ce que ça fait. Je vais me faire un brachio. Je vais me faire un brachio parce que je me souviens plus du tout de comment est-ce que ça se passe au niveau des unités pour ça. Voilà, après déjà là après au niveau de l'armée on est quand même plutôt bien. Je me fais mes deux gugus qui me restent là. Bon bah écoute son canon là qui lui a coûté la peau du cul. Va plus rien y avoir hein. Hop là. Bon bah super, on est à 68. On a 68 du coup les gars, ce qui va nous permettre de pouvoir passer à l'âge suivant et donc par la suite de pouvoir farm les dinos titans et ensuite du coup on va les foutre sur la gueule aux gars qui restent en fait. Bon on est presque à l'âge 4, c'est plutôt top. Oh là là, on est à l'âge suivant. Les gars, on est à l'âge suivant. Et donc là, on peut déjà faire... Ah non, c'est pas encore les titans. On peut faire des allosaures, là, déjà. Et puis après, on va pouvoir, effectivement, pour de vrai passer à l'âge suivant. Donc on va augmenter la limite de... Ouais. Ouais, lui, je l'aimais bien. Lui, il était assez fort. Je crois que lui, il permettait... En fait, c'est des héros. Et il me semble que ce mec-là te permettait de pouvoir faire des grosses tours, en fait, qui, au final, étaient... par la suite ultra forte. Oh let's go, on vient de passer l'âge 4. Let's go, on vient de passer l'âge 4. Putain, où est-ce que je peux faire des titans déjà? Alors non, c'est pas là-dedans. Non plus. Ah bah non, c'est bon. My bad.
Voilà, c'est là. Le T-Rex Titan, messieurs dames. T-Rex Titan, écoute, 2000 de bouffe, 1500 de bois. Il coûte ultra fucking cher. Vous, on va vous envoyer un petit coup récolter de la nourriture. Parce qu'après, c'est pas le tout, mais va falloir quand même leur foutre sur la gueule. Hein. Après, le bois, je vous l'accorde, c'est vrai que ça monte plutôt vite. Ah, voilà. On y est presque. Je vais pouvoir améliorer. Je vais pouvoir faire mon T-Rex. Alors, attendez. Est-ce que là, normalement, on va pouvoir après le... Non, là, on va pouvoir le voir passer, là, quand il est tout bébé, là. Et j'aimerais bien vous le montrer, regardez. Là, si, regardez, on le voit. Hop, là, on le voit un petit peu, là. C'est vrai qu'on le voit mal parce que il y a un peu les arbres autour. Mais au moins, on le voit un petit peu. Et encore, là, des T-Rex titans, les refs, là, je vais m'en faire 1, 2, 3... Je vais pouvoir m'en faire 4, hein, là. Là, après, gros, je vais m'en faire 4, on va les farm. Je vais me faire en même temps un allosaure. Oh! Oh, regardez mon pépère! Mon pépère! Moi, moi, je suis du T-Rex. Regardez comme il est cool! Il est trop cool, mon T-Rex! Il est trop cool! Et ça, c'est super fort! Regardez comme il va le bouffer! On a un coup, one shot! Allez, hop, ça dégage! Non, il est grave cool. Quand t'as un T-Rex titan, gros, je t'assure qu'en face, gros, ça rigole plus. T'as un T-Rex titan, mon pote, c'est terminé. Ça, c'est vraiment badass. Oula. Allez, hop, ça dégage. Ça fait trop mal, le T-Rex. Ça fait trop mal, juste. Ça te two-shot, gros, presque n'importe quelle troupe. Bon, bah voilà, on les a bouffés. Regardez-moi mes T-Rex. Comme ils sont grave cool. Et c'est un vieux jeu, hein. Genre, ça, c'est un jeu, les gars. Les années 2000, hein. Tout début des années 2000, hein. C'est tout, il a que ça? Il a pas que ça. Oh là là, comme il a canné. Il a pris trop cher. Allez hop, on va casser le forum. Il prend trop cher. Je remets juste un autre T-Rex le temps de... Hop là. Voilà. Je remettais juste un autre T-Rex au chaud. Et après, on va aller s'attaquer aux autres. Impeccable. Oh bah alors lui... Voilà. Lui, il va prendre tarif. Alors, juste avant d'y retourner, je vais me refaire full archer. Il va aller là. On a du coup ici un autre T-Rex. Ah, il a... Il a quand même prévu le coup, parce qu'il a quand même fait des... Il a quand même fait des tours ici. Bon, on va l'éclater, bien évidemment. Là, regarde, je sais pas ce qu'il veut avec ses tours, mais... Regarde-moi-le. Voilà. Ça, c'est terminé.
Très bien. Très bien, ok, d'accord, donc ça c'est fait. C'est quoi le but du jeu? C'est de détruire les adversaires d'en face. Tu te développes et puis tu vas péter les mecs, tes ennemis. Mais sauf qu'il y a des dinosaures dans le jeu, c'est ça qui est trop bien. Voilà. Bon là, clairement, on leur pisse dessus, quoi. Bah il nous loot avec son armée là tout à l'heure, il nous cassait les couilles. Regardez, il a un cri. Oh là là, le pépère. J'avais, bah il y a 15 ans gros, j'avais 6 ans, 7 ans, 7 ans. À peu près. Ah, il a fait... Ah, il a une petite armée, il a une petite armée. On y va. Comment il se fait détruire? C'était un peu ça, gros. Je vais en passer à niveau 4. Comme ça, ça va me permettre à la ferma dino d'en refaire un dernier. Bon bah puis là bah pareil quoi, là on le. Là juste on le poutre mon pote. Ok, impeccable. Bon alors lui déjà, l'autre il a totalement abandonné, hein, il n'y a plus rien. Je pense que là normalement il en reste plus qu'un. Il doit rester. Bah c'est bon toi du coup, l'autre titan nous a rejoint, c'est bon, j'ai bien les 4 là. Ah c'est trop bien ça se fight, ils ont du monde. Mais de ouf Shine, t'as beau mal. Ok, celui-là ça dégage. On est en train de le dévorer gros. Regarde-le comme il se fait bouffer. Ça me tue. C'est juste trop fort en fait. C'est juste trop fort. Putain, il a une tour. Sa tower là, elle me fait un peu mal là. Petite terre, pauvre Shine. Tu trouveras la bonne, mon gros. Pauvre Gugus. Ils prennent les mecs ils prennent trop cher là en face. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire quand t'as ça en face de toi gros? Tu peux juste rien faire. We have him under control.
Ok. Allez hop, ça c'est fait. Oh là, il y a encore une tower derrière, là on va laisser la faire. Hop, on pète la tour et puis on se casse. Parce que les bateaux ça sert à rien, ils font trop de dégâts. Bon, là normalement on va pas tarder à, normalement, à gagner la game. 2, 1. Et voilà, vous êtes victorieux. Alors, voir les statistiques. Bon, c'est pas trop dégueulasse. Bon, et bah écoutez, messieurs, dames, ceux qui regardent cette vidéo-là sur YouTube, j'espère que cette petite rediff vous a plu. Si jamais on est en live quasiment tous les soirs, je vous invite à venir nous rejoindre et d'ici là, de lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo si jamais vous êtes resté jusque-là. Et puis même, pourquoi pas, vous abonner si jamais ça vous a plu.